Bonjour à tous à ce matin enneigé qui a occasionné déjà des petits retards. Monsieur le recteur, Madame la directrice diffusion et développement des affaires du Conseil des arts du Canada, Madame Tara Lapointe, Mesdames les vice-rectrices, Marie-Josée Hébert et Louise Béliveau, Madame la doyenne de la Faculté de musique, Nathalie Fernando, chers lauréats et lauréates du prix Killam, chers San Diego Hidalgo, chers collègues, je suis vraiment ravie de vous accueillir aux rencontres intersectorielles de l'Université de Montréal sur le rythme, aux sources du rythme. On a vraiment planifié un événement où on veut vraiment encourager les discussions, les échanges, les collaborations hors normes. Tous les invités qui vont se présenter sur la scène ont vraiment décidé de sortir de leur zone de confort afin de vraiment de repousser les frontières des connaissances. J'en suis profondément reconnaissante, donc merci. J'espère que vous aussi, vous allez repousser les frontières de vos connaissances et que vous allez établir des nouvelles collaborations et sortir d'ici avec des horizons nouveaux. Sur ce, j'invite le recteur de l'Université de Montréal, M. Guy Botton, à venir vous présenter ses mots de bienvenue. Merci, Julie. Bonjour à toutes et à tous. Good morning. Je vous souhaite la bienvenue dans le tout nouveau complexe des sciences du Campus 1000 de l'Université de Montréal, qui a accueilli ses premiers étudiants il y a à peine 2 mois. It's a brand new complex, brand new scientific complex that we just opened a few weeks ago. C'est pour moi un immense bonheur de vous recevoir dans ce lieu magnifique qui a été conçu pour faire avancer la pensée, pour faire avancer le savoir, avec une perspective interdisciplinaire de mise en commun, une perspective d'encourager ces échanges disciplinaires et de faciliter toutes sortes d'innovations en enseignement et en recherche, parce que les deux sont indissociables. Il n'y a donc pas de meilleur endroit pour accueillir cette rencontre que je considère comme aussi audacieuse qu'originale, aussi intéressante qu'inhabituelle. Je crois même que ce qui se passera ici au cours des 2 prochaines journées fera date et sera un point d'histoire dans le milieu de la recherche. J'y crois. Car oui, chers participants, vous êtes, je pense qu'on peut vous qualifier d'explorateurs. Vous vous préparez à arpenter un territoire que l'on commence à peine à connaître, celui de l'intersectorialité en recherche. Par vos réflexions, par votre audace, par votre créativité, par vos échanges, vous participerez à définir cette nouvelle manière d'appréhender un sujet de recherche. Et quel bel objet d'étude que le rythme. Le rythme qui est quand même un repère dans l'espace-temps, mais qu'on prend pour acquis, mais qui est fondamental. C'est un thème universel qui transcende toutes les disciplines et qui pourrait nous apporter tellement de réponses, de belles réponses, de belles surprises. Dans cette exploration du rythme, vous serez bien accompagnés. Indeed, we are extremely fortunate to have with us today 4 of the 5 winners of the 2018 Killam Prize. And a 5th Killam recipient will be joining us via a pre-recorded conference. They are all leading experts who have made a significant contribution to their respective fields in the social sciences, humanities, engineering, health sciences, and natural sciences. Ms. Worker, mon ami Monsieur Gaudreau, Mr. Erzog, Mr. Ashinsky, it is an honor to welcome you here at l'Université de Montréal.
consider yourself as being at home, being with us. And that's forever. La première rencontre sur le thème du rythme qui a été en mai dernier ici à l'Université de Montréal a été fort prometteuse. J'y étais pas, mais on m'a dit que c'était pas mal excitant. Puis moi, j'aime ça, les choses excitantes. La routine, ça m'ennuie. Hein? Montréal a été donc le site de cette première rencontre. Et je souhaite que cette deuxième, celle d'aujourd'hui, réponde à toutes vos promesses. Et peut-être même plus. Il faut oser, hein? Il faut être plus ambitieux qu'impatient. Donc, soyons ambitieux. Avant de terminer, j'aimerais remercier les partenaires de cet événement. Le laboratoire CinéMédias, qui a été fondé par notre professeur André Gaudreau, lauréat du prix Killam en 2018, et le laboratoire d'innovation de l'Université de Montréal, qui innove encore, comme son nom le décrit, qui innove avec cette belle rencontre, et qui nous démontre toute la pertinence de la démarche pour ouvrir de nouvelles avenues de recherche, de nouvelles façons de repousser les limites du savoir. Donc, je vous dis, je vais m'arrêter. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite de profondes discussions. Je vous souhaite d'être encore plus audacieux et créatifs que vous l'avez été jusqu'ici. Et je vous souhaite beaucoup de plaisir, parce que l'important, c'est d'avoir du plaisir dans tout ça. Bonne journée et à bientôt. Merci. Bonjour encore. Donc, on va reprendre maintenant rondement les échanges et les mots de bienvenue. Donc, je voudrais accueillir la vice-rectrice Marie-Josée Hébert à vous souhaiter la bienvenue. Bonjour à tous. Merci d'être là. Merci, Julie. Alors, moi, je serai bref puisqu'on a déjà eu un mot d'introduction par le recteur. Mais je pense que c'est absolument essentiel de vous dire merci. Merci à tous, mais un merci tout spécial d'abord à la Fondation Killam au Conseil des arts. Et un merci extra spécial à l'ensemble des récipiendaires Killam 2018. J'oserais dire quelle cuvée. Créative, imaginative et collaborative, et vous allez voir dans les heures qui viennent pourquoi je suis si fière de cette dynamique de collaboration, de cette dynamique d'ouverture que l'ensemble des récipiendaires Killam 2018 non seulement ont démontré, mais comment ça s'est passé avec une créativité, une imagination et un enthousiasme qui est tout à fait exemplaire. Je voudrais bien sûr remercier Julie Carrier, qui est vice-rectrice associée à la recherche et aux études et qui incarne en fait une de nos très grandes priorités ici à l'Université de Montréal, de s'assurer que la recherche et nos programmes de formation travaillent d'une manière tout à fait étroite, créative et collaborative pour développer des nouvelles avenues à la fois de recherche, de formation et d'application. Et puis, bien sûr, souvent on fait les remerciements à la fin et on remercie à la toute fin d'un événement les personnes qui ont rendu possible l'événement. Alors moi, je ne ferai pas ça, je vais le faire tout de suite. Et puis, je vais remercier, outre Julie, Laetitia Cremona, Nancy Dion, Chantal Simard et Anne-Marie Savoie qui se sont impliquées depuis des mois dans l'organisation de cet événement. Et vous allez voir, bien sûr, tout de suite après moi, André Gaudreau et Santiago Hidalgo. Et je souhaite aussi les remercier chaleureusement, puisque sans votre enthousiasme, votre ténacité, je crois que tout ça n'aurait pas pu voir le jour. Alors, merci à tous et bonne rencontre. Donc, nous allons accueillir maintenant M. André Gaudreau, qui est professeur titulaire au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques et titulaire de la chaire de recherche du Canada en études cinématographiques et médiatiques. Merci. Monsieur le recteur, merci donc d'avoir ouvert ces journées. Merci aussi à Marie-Josée, la vice-rectrice, donc recteur et vice-rectrice qui nous
pousse dans le dos et qui nous aide à faire des activités comme celle-ci. Je veux aussi en profiter pour remercier la Fondation Killam et le Conseil des arts de m'avoir, de nous avoir attribué le prix Killam. C'est la condition essentielle qui fait que nous soyons ici. Chers collègues lauréats du prix Killam, chers invités d'honneur, chers collaborateurs et collaboratrices, chers amis, je voudrais aussi vous remercier sincèrement, chacun d'entre vous qui êtes devant moi, d'être présent avec nous aujourd'hui pour ces rencontres dont nous souhaitons qu'elles soient un succès et dont nous devons l'organisation aux efforts combinés de deux formidables équipes, d'une part celle du laboratoire d'innovation, appuyée par le vice-rectorat à la recherche et le vice-rectorat aux études, d'autre part, le labo CinéMédias, laboratoire cinéma, CinéMédias, qui est dirigé par mon collègue Santiago Hidalgo, professeur associé à l'Université de Montréal. Je remercie aussi, bien sûr, les affichistes et les tables rondiers, mot très utile, qui ont accepté de participer activement à ces deuxièmes rencontres intersectorielles sur le rythme. Ce à quoi vous allez avoir droit ici, à ces rencontres sur le rythme, vous le savez déjà, c'est notamment une brochette de 5 lauréats d'un prix Killam, tous de la même édition du concours. Il s'agit d'une situation tout à fait inédite que l'on doit notamment à la bonne volonté de ceux que j'appellerai ici les Killamistes, dont je suis, de façon à rendre officielle une appellation commode que nous utilisons depuis des mois au sein du comité organisateur du présent événement. Dans une conversation que j'ai eue hier avec M. Miller de la Fondation Killam, nous avons évoqué la possibilité de proposer aussi la notion de killamisme. Il s'agit donc d'une situation tout à fait inédite, que l'on doit notamment, comme je le disais, à la bonne volonté des killamistes, mais aussi à leur grande ouverture d'esprit et à leur foi inébranlable dans l'intersectorialité. Il faut dire aussi que chacun des 5 lauréats des prix Killam 2018, chacun d'entre eux, a une forme d'engagement personnel par rapport à l'intersectorialité, ce qui n'est pas nécessairement le cas chaque année, peut-on imaginer. Mais cette année-là, 2018, c'était vraiment remarquable. Le primum movens, les vieilles études en philosophie, de la programmation de ces rencontres, on le doit au lauréat du prix Killam en sciences humaines, de la santé, le docteur Vladimir Hachinski, qui va prendre la parole bientôt, qui a tout simplement suggéré la chose dans une discussion lors du cocktail, les cocktails peuvent servir à quelque chose, lors du cocktail qui a suivi la remise officielle des prix Killam à Halifax en novembre 2018. C'était à peine il y a un an. Et vous pourrez mesurer au terme de ces rencontres le chemin qui a été parcouru en si peu de temps. Je n'en dis pas plus pour l'instant sur les circonstances ayant entouré cette proposition de Vladimir lors du cocktail, puisque nous y reviendrons tout à l'heure dans une discussion de groupe. Le prix Killam, vous le savez, est un prix que l'on décerne normalement à des chercheurs qui ont en principe fait avancer la science. L'enjeu des présentes rencontres est d'amener ces chercheurs à présenter une conférence qui les fera, qui nous fera, chacun sortir ne serait-ce qu'un tantinet, de nos zones respectives de confort, comme on dit communément. En effet, le défi que relèvent aujourd'hui les killamistes de l'édition 2018, j'ai encore des guillemets, mais on va les laisser tomber, killamistes, il n'y a plus besoin de guillemets maintenant, c'est de jeter un pont entre deux rives, ou trois, c'est selon, dont l'une au moins n'est pas située dans leur domaine d'expertise et n'est donc pas du ressort de leur champ supposé de compétences ou de grandes compétences ou de très grandes compétences. Le défi implique donc, de la part de ces 5 killamistes, d'avoir l'audace, voire le programme du même nom, le mot audace a été présenté souvent, qui est une initiative assez récente des fonds de recherche du Québec. Donc, avoir l'audace de faire des incursions dans des territoires qui ne leur sont pas familiers et de favoriser ainsi un maillage intersectoriel entre des secteurs habituellement assez cloisonné, avec un espoir, toujours celui de continuer à faire avancer la science. On le sait, il arrive que les ponts qu'on construit finissent par s'écrouler. Nous, au Québec, on sait cela. Ainsi donc du fameux pont de Québec et de ces deux chutes qui sont aussi fameuses.
Dans le cas où une pareille déconvenue arriverait au pont que nous essaierons de jeter ici entre différents secteurs de la recherche universitaire, comme le veut cette, elle aussi désormais fameuse, intersectorialité qui nous meut et qui nous émeut, on se consolera en se disant qu'il est possible de faire avancer la science, même si la démonstration se situe du côté de la non-validation. Faire apparaître une aporie, c'est déjà faire quelque chose, et c'est quelque part faire avancer, même si à reculons. En ce qui me concerne, je ne crois pas nécessairement être un chercheur ayant l'intersectorialité bien chevillée au corps. En tout cas, pas aussi bien chevillée au corps que certains d'entre vous qui êtes présents dans cette salle. Mais je dois la vérité de dire que l'intersectorialité me fascine. Le laboratoire que j'ai fondé en 2015, sous l'égide de la chaire de recherche du Canada dont je suis titulaire, a d'ailleurs entamé son propre virage intersectoriel il y a presque 2 ans. Quelques mois avant que l'on me décerne le prix Killam, présage, je ne sais pas, un virage relativement prémonitoire, en tout cas, si l'on songe que ces rencontres qui nous réunissent ici aujourd'hui n'avaient encore aucune existence, même à l'état de projet. Ce virage du laboratoire CinéMédias s'est réalisé sous l'impulsion de son directeur, mon collègue Santiago Hidalgo, spécialiste de l'expérience cinématographique, qui me fit alors remarquer, à cette époque-là, je me rappelle de la conversation, que les neuropsychologues et les cognitivistes faisaient souvent appel à un vocabulaire et à des concepts empruntés au cinéma pour décrire ce qu'éprouve leur sujet par rapport aux rêves, notamment. En ayant recours comme étalon de mesure à ce qu'on pourrait appeler, à la suite de Mireille Berton, une chercheuse suisse que nous retrouverons au moment de ma conférence tout à l'heure, en ayant recours donc à la fonction modélisante du dispositif cinématographique. Les neuropsychologues parlent en effet souvent de montage à propos des rêves. Ils parlent souvent de scènes, de scénarios, de séquences, d'écran noir sur l'écran noir de mes nuits blanches, de projection et de narrativité. Le projet initial de Santiago, pour lequel il a obtenu une subvention de la part du Bureau de recherche, développement et valorisation de l'Université de Montréal, originait de cette idée qu'il fallait revoir les travaux des cognitivistes et des neuropsychologues qui se servent du cinéma comme modèle pour expliquer l'apparition des images dans le cerveau de leurs sujets et qui utilisent un vocabulaire essentiellement tiré du cinéma. Ces rencontres auxquelles nous participons aujourd'hui doivent en quelque sorte être comprises comme un plaidoyer en faveur de l'intersectorialité ou du développement de l'intersectorialité, de manière à ce que cette nouvelle façon d'aborder la recherche scientifique soit fructueuse et que les efforts que les institutions universitaires, gouvernementales et paragouvernementales lui consacrent ne soient pas des efforts fournis en vain. En fait, une petite recette. Le meilleur moyen de développer l'intersectorialité est, à mon avis, du moins pour l'initialiser ou l'initier, est à mon avis, je sais que je ne suis pas le seul de cet avis parmi ceux qui sont présents ici aujourd'hui, de plaider en sa faveur en usant du meilleur outil qui soit, l'établissement de liens. Ne serait-ce au départ que sur la base d'une analogie entre une discipline A et une discipline B. Tout à fait comme les neurosciences et les sciences cognitives l'ont fait, en utilisant le dispositif cinématographique, merci à vous, comme modèle. Lorsqu'on parle ainsi de l'analogie, il est de bon ton de rappeler que Mallarmé nous avait prévenu de l'existence d'un démon, le démon de l'analogie, qui exerce une attirance irrépressible chez d'aucuns. Grand bien nous fasse, pourrais-je dire, puisque, comme l'avance Victor Coquet, certains philosophes et non des moindres considèrent l'analogie comme la première ébauche d'une idée, qui deviendrait conséquemment une notion plus complète ou une théorie plus développée. Mesdames et messieurs, laissons là les analogies pour faire place au rythme, mais auparavant, j'ai l'extrême plaisir et même l'honneur de céder la parole à Santiago Hidalgo, qui s'est impliqué corps, âme et cerveau dans l'organisation de ces rencontres. Merci. Comme André l'a si bien annoncé, j'ai le plaisir d'inviter Santiago Hidalgo, qui est professeur associé au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques et directeur du laboratoire CinéMédias. À venir.
Merci, Julie. J'aimerais en premier lieu donner la parole au professeur Vladimir Hachinsky, l'un des lauréats des prix Killam 2018. Quelqu'un que j'ai eu grand plaisir d'apprendre à connaître durant tout le processus de l'organisation de cet événement. Il offre une vision qui résume bien ce qui rend ces deux journées si spéciales. Can you imagine any group that's more different than these five? Subatomic physicist, biomedical engineer, cinema scholar, and a neurologist interested in stroke and dementia prevention. However, as we met the people, it occurred to me that maybe we had something in common, rhythm. Le docteur Hachinsky a prononcé cette conférence lors des premières rencontres intersectorielles sur le rythme en mai 2019, ici à l'Université de Montréal, ce qui m'amène à souligner que la création de l'événement aujourd'hui s'est faite par étapes. Mis à part des discussions initiales qui seront abordées durant la table ronde dans un instant, il y a d'abord eu l'organisation conjointe de premier volet avec le laboratoire d'innovation, où nous avons discuté des enjeux et des problématiques qui seront également abordées lors de cette présente édition. De plus, les rencontres de ce printemps étaient parfaitement alignées avec l'initiative que notre laboratoire avait prise à travers l'élaboration d'un projet intersectoriel sur l'impact des images à haut rythme sur les enfants, un projet que je tiens à cœur parce que j'ai deux enfants, en collaboration avec le laboratoire NED de l'hôpital Saint-Justine mené par Sarah Lippé. Le succès de cette journée inspirante de 2 mai nous a encouragés à poursuivre notre démarche. Mais en réunissant cette fois l'ensemble des lauréats des prix Killam 2018, un groupe de chercheurs dont chacun témoignait déjà d'une volonté de travailler et de collaborer à un projet commun. Tout au long de la mise en place de cet événement, j'ai eu le privilège de discuter avec les 5 lauréats Killam, de faire leur connaissance, d'échanger des idées et d'apprendre qu'à la base de leur démarche se trouvait une conviction partagée sur l'importance de la recherche intersectorielle. Ce contact humain entre les disciplines a créé un sentiment de communauté. Malgré un écart linguistique, terminologique et méthodologique, j'ai découvert un élément commun très important. Ce n'était pas le rythme qui unifiait le groupe, sinon quelque chose d'aussi fondamental. La curiosité éprouvée envers les autres disciplines, la générosité intellectuelle, le respect des différences et une humilité face à l'inconnu. Oui, le rythme était la notion partagée, mais sans cette volonté de vivre une expérience collective, sans un objectif clair et prédéterminé qui nous faisait parfois rire, ces rencontres n'auraient jamais eu lieu. Je veux ainsi remercier ces 5 chercheurs pour leur générosité, Marie-Josée Hébert et Julie Carrier, de m'avoir accueilli chaleureusement dans le groupe d'organisation. Et je veux finalement remercier tous les membres de mon laboratoire qui ont travaillé sur l'organisation de ces rencontres. Sur ces mots, je vous laisse profiter de l'événement. Merci.